Hello everyone, it's me Sabrina. I'm me Samra. Yes, I'm back. Back to moi je suis toujours là, elle est jamais là. Ouais, c'est vrai, désolé, j'ai autre chose à faire. Aujourd'hui on va regarder la nouvelle vidéo de Chris Brown sensationnel. Yeah, avec Davido et Lojay. Et Lojay. Jay. Lojay. Let's go. Go. I'm a rock. No. Rock and roll. Let's go. Where will you realize? 11. Oh, il y en a même. Arrête. Attends. Non, 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 attendez, s'il vous plaît, on recommence vite fait. Hein? Je le sens. Regarde, il y a le 11 de l'album. Ah, d'accord, le 11. Ça chenade. Oh là là. Trop beau. Hé, hey, l'insalami. L'insalami. Ça va, Ali. Ça va, Ali. Et là, c'est Dior. Ça va raconter tous les anciens. Oh! Wow. C'est quoi ce monde des jambes de fou là? Hey, j'aime trop son costume avec le vert. On dirait la grossie un peu, non? On dirait la grossie. Bon, en tout cas, c'est trop stylé, je trouve. C'est étonnant. Mais pourquoi ça bug comme ça? C'est pas. Mais parce que t'as mis la qualité trop forte là. Putain. Elle a mis la qualité 4K, elle est bête elle ou quoi? Qui regarde les clips dans la qualité 4K, tu crois, dans un home cinéma? Je veux le Mac. Oh là là. Mais déjà, il a rentré blond. Il a rentré blond. J'aime tout comme toi par contre. Non, il faut qu'elle se calme par contre. Mais regarde comment il est. Non, mais il faut qu'elle se calme. Parce que là. Ah, j'adore la meuf avec les cheveux calmes. J'avais une tenue comme ça moi. Oh mais c'est quoi ce truc? C'est très dense. Ça faisait un peu gay quand même. Non mais là cette tenue là. Pépite. Pépite. Oh. Deux points. Trois fois. Ah ouais. Hey, ma vidéo. Ah, j'aurais jamais cru dans le truc. Bon, on dirait la chargée de la chocolaterie là. Tu vas le tenir, vraiment. Ah, c'est cool. Là il est là David. Mais cette tenue là. Je connais pas lui. Goody goody. Je suis un peu bien sûr. Oui. En fait, ça reste dans son délire qu'il faisait depuis le début là. Moi, il y a les mannequins. Elle a dit moyenne les mannequins. Ouais. En fait là, c'est plus comme avant, les filles sont représentées un peu plus discrètes. Ouh. Pépite. It's you. Enfin, dites-moi que c'est par rapport à l'album. C'est Mimi.
marrer là. Il y a du galet, alors, ok. 2 secondes, elle a 2 secondes, 10 secondes pour... Ok. 10 sur 10, 20 sur 10, you know. Si, mais il est trop stylé le clip. Et moi, il me fait penser beaucoup à chaque fois qu'il fait des clips avec Davido. C'est le même style, le même colorimétrie, le même... Ou comme avec Rima, on dit Rima. Rima, non, 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 pas comme Rima. Ah oui, 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 pardon, excuse-moi, Rima, Davido, Blue Man, je ne sais pas, c'est un peu le même style. Attendez, on va vous le mettre, celle-là. Non, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Donc voilà, moi je kiffe l'album, j'ai trop hâte, sort le 11 novembre. Je serai à Paris. In the club. Non, j'ai trop hâte de l'album, vraiment. Et c'est ça la pochette là. Je pense que c'est ça la pochette, c'est les 4 personnages, c'est Chris Brown qui représente un 11 et un 11. Et ça sort le 11 novembre. Yes, pourquoi? On sait pas encore, on va savoir dans pas longtemps. Ouais, mais les dates. Bon, il est très spirituel, très superstitieux, il aime trop les trucs genre. Déjà, toutes les meufs avec qui il est sorti, c'est des taureaux comme lui. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça, ouais. Ouais. Amika, Carrie Strange, je crois qu'elle était taureau aussi. La meuf avec qui il a eu sa dernière fille, elle est taureau. Me dis voilà. Pas qu'elles sont nées le même jour. Non, que... je pense pas. Yes, yes. On sera jamais en rythme. Alors, moi, la note que je mettrais, c'est 8,5. Ça va se prendre 9 si tu veux. Mais c'est d'ici. Non, mais c'est sympa, c'est mignon, mais. ce que j'aimais, c'est les danses et tout ça. La colorimétrie, ok. Les vêtements, par contre, sont archi bien habillés. Moi, j'adore le style. Les filles, elles sont un peu représentées comme des statues, comme des représentations. On les voit pas beaucoup. On les voit pas beaucoup, c'est assez pudique. Et ça, je kiffe. C'est moins vulgaire, c'est pas mal, j'aime bien. J'espère qu'il va percer ce son, parce que personnellement, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de styles un peu à ma piano qui arrivent très doucement. Dans le classement, Chris Brown est numéro 1 à R&B Soul aujourd'hui. Oui, oui, oui. Avec ses musiques. Oui, oui, oui. Dites-nous, vous, en commentaire, ce que vous en pensez du clip. Quelle note vous mettrez. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Voilà, c'est très important. Likez. Likez la vidéo. Voilà. Et puis, allez visiter un petit peu les autres réactions qu'on a pu faire sur le clip de Chris Brown. On va vite parce qu'on n'a pas de batterie. Ouais. Allez, salut. Ciao, ciao. Bye.